Alors, chacun prend le temps de s'installer dans la posture de méditation pour laisser aller toutes les pensées. Rien n'a d'importance pour le moment. Prendre la posture de méditation. Agréablement, laisser le corps se détendre et s'installer dans cette posture dynamique, cette intention de lâcher et de porter son attention uniquement sur la voix. Sur la musique. Rien d'autre n'a d'importance. Ce geste signale que l'on choisit, qui indique au corps comme à l'esprit qu'on est en posture de méditation et que rien n'est plus important. Je porte mon attention soit sur la respiration, sur une image agréable, sur un bruit qui m'est agréable, une odeur, une sensation. Et toujours, si une pensée vient pour me détourner de la méditation, volontairement j'y reviens, en conscience, car rien n'est plus important pour moi aujourd'hui. Et comme je vous l'ai proposé, nous allons porter notre attention aujourd'hui sur l'énergie de la pleine lune. Cette pleine lune qui aura lieu le 31 mars 2018 et qui est la deuxième pleine lune du mois de mars. Aujourd'hui, en portant l'attention sur cette pleine lune, prenez le temps de vous détacher complètement, de laisser aller tout ce dont vous n'avez plus besoin grâce à ces belles énergies. Le mois de mars est le troisième de l'année. Et le 3
permet de nous libérer de ce qui nous bloque, ce qui nous gêne. Le 3 représente la Trinité. Et a pour objectif d'équilibrer notre esprit, notre corps et notre âme. Le 3 est aussi le chiffre de la communication. Il représente l'harmonie en place. Lorsque vous êtes en connexion avec tous les aspects de votre être. La lune sera pleine au petit matin du samedi 31 mars. Lorsque le soleil en bélier se trouvera en opposition à la lune en balance. La polarité bélier-balance est un axe porté sur le relationnel. Lorsque le bélier représente soi-même, la balance représente l'autre. Le bélier représente l'affirmation de soi et la balance le compromis. Cette lune viendra donc nous faire prendre conscience de nos besoins, de nos besoins de relations ainsi que de leur maintien, dans le compromis ou la négociation. Afin de rendre ces relations harmonieuses et équilibrées. Le bélier s'affirme. C'est un leader. Il peut être courageux. Cette pleine lune nous exhorte à trouver un équilibre entre la satisfaction de nos besoins personnels et la prise en compte des besoins d'une personne significative dans notre vie. Un équilibre entre l'indépendance ou l'autonomie et la dépendance ou la convivialité. La lune en balance est diplomate, respectueuse, de l'égalité, de l'impartialité. Le bélier, lui, valorise l'authenticité par rapport à ses valeurs. Il est stimulé par des efforts indépendants. La pleine lune viendra éclairer ces deux polarités, qui ne sont pas toujours simples à équilibrer.
Les sentiments peuvent être frustrés. Nous pouvons avoir du mal à nous exprimer. Il sera tout de même important d'être conscient de ce que nous exprimons en suivant notre instinct pour ne pas faire fausse route. Nous nous éveillons en conscience pour ne plus être spectateurs, mais bien acteurs de nos propres vies. Alors aujourd'hui, en conscience, prenez le temps de porter votre attention sur ces belles énergies de la pleine lune. Et toujours, si une pensée vient, la garder pour plus tard et revenir à ce geste signal, à cette méditation, à cette intention être en conscience ici et maintenant. Avec cette pleine lune, les émotions éclatent dans notre conscience. Il est temps de nous laisser nous exprimer, de laisser les choses sortir à travers la parole, l'écriture, la danse, le chant ou toute forme d'expression libératrice. Une puissante guérison sera également possible avec l'aide d'un soutien extérieur. Entourez-vous de personnes qui vous veulent du bien. C'est le plus important. Cette puissante lune bleue sera là pour nous aider à équilibrer les échelons de notre propre vie. N'ayez pas peur de vous débarrasser de choses qui ne vous servent plus. Acceptez d'abandonner les émotions qui vous déséquilibrent. Prenez le temps de pardonner. Lâchez ce fardeau que vous pourriez être encore en train de porter. Laissez la sensation de renaître venir en vous-même. Épuisez la sagesse dans les messages de votre corps, votre âme ou votre esprit. L'heure est venue d'écouter. Afin de porter un regard vers l'intérieur. D'entendre les messages et la sagesse qui vous attendent. Vous autorisez-vous vraiment à parler? Vous sentez-vous libre d'énoncer votre propre vérité?
Sentez-vous parfois un nœud dans la gorge? Une tension dans la poitrine? Ce dont vous avez besoin pour vous sentir aligné est déjà à l'intérieur. Cessez de chercher à l'extérieur. Vous êtes capable de lâcher ces poids qui pèsent sur vos épaules. Vos croyances limitantes. Lâchez ce mental agité. Les jugements et les a priori. Pour vous libérer de tout ce qui vous empêche de savoir qui vous êtes vraiment. Lorsque ces émotions fortes et chaudes, comme la colère, brûlent les joues, creusent les mains, renforcent la carapace, regardez à l'intérieur ce qui s'y trouve. Peut-être y découvrirez-vous de la tristesse qui s'y cache depuis longtemps, comme dans les coulisses. Peut-être que ce masque de colère n'était qu'une protection supplémentaire mise en place pour ne pas traverser la peine. Avez-vous déjà essayé de pleurer volontairement, à chaudes larmes, sans se retenir? Sans se juger, sans regarder autour pour voir si on avait le droit, pour traverser cette peine qui nous bloque et accueillir les blessures dans le cœur. Nul ne peut prendre soin d'une blessure profonde en laissant le pansement, la plaie doit être observée, soignée, acceptée, traitée en douceur et avec patience, et même si peut-être aujourd'hui vous n'avez pas conscience de cette blessure, laissez mes paroles vous guider. Laissez les mots entrer Laissez les messages s'exprimer. Une plaie finit toujours par se refermer. Si on la regarde et la considère, de même qu'une mère embrasse son enfant d'un bisou magique,
pour le consoler et le soigner. Embrassez la peine dans votre cœur pour l'autoriser à disparaître. Volontairement, en conscience, même si peut-être pour le moment, vous ne savez pas de quelle peine il s'agit. Laissez faire. Et si vous souhaitez finalement vous transformer complètement et vous sentir libre? Vous avez le choix de pardonner. Lorsque l'on pardonne à soi-même et aux autres, on se libère de toute culpabilité et de toute souffrance. Sans pour autant accepter et limiter la gravité, juste prendre le temps de pardonner pour transformer autour de soi. Comme une renaissance, une nouvelle vision. Comme dans la méthode Ho'oponopono. Je pardonne. Je remercie. J'aime. Inconditionnellement. Et pour être prête à pardonner, être prête au passage de l'amour, acceptez. D'avoir le courage d'oser, oser être soi. Vivre ses rêves au lieu de rêver sa vie. Volontairement être acteur. Vivre ses rêves au lieu de rêver sa vie. Alors, vous pourrez avoir besoin d'aide, peut-être. Des pierres ou cristaux qui, par leur puissance, leur énergie, vont nous aider. La turquoise, qui favorise la prise de décision, apporte la sécurité et la stabilité, afin d'équilibrer les fluctuations émotionnelles. Le quartz fumé, qui diminue les colères et les tensions, pour apaiser l'esprit. Il apporte lucidité et développe la prise de responsabilité. L'aigue marine favorise la communication,
développe l'intuition et favorise l'expression des émotions. Au niveau des odeurs, la camomille apaise les tensions et les colères liées à l'ego. Elle facilite le lâcher-prise. Le pain centre le cœur, aide à se concentrer sur l'essentiel. Apporte le calme au milieu de la tempête et favorise l'expression. Et l'élixir de bourrache donne le courage pour traverser la tristesse. Pour ceux qui se sentent le cœur gros, accablés par les événements de la vie. Alors, en cette pleine lune du 31 mars, prenez le temps de laisser les énergies circuler. Éveillez votre moi en toute humilité. Prenez le temps dans cette posture de méditation d'accueillir pleinement votre potentiel naturel d'éveil vous pouvez faire le choix de vivre cette pleine lune consciemment pour lâcher ce dont vous n'avez plus besoin. En position de méditation, ne serait-ce que quelques minutes. Une petite bougie, un peu de sauge, comme aujourd'hui. Prenez quelques instants, les yeux fermés, le regard posé vers l'intérieur, car absolument rien n'a plus d'importance pour le moment. Le corps dynamique dans cette posture de méditation. Toujours avec ce geste signal qui indique au corps comme à l'esprit que vous avez choisi ce temps de pause. Vous pouvez remercier la lune pour cet instant de reliance et de connexion. Selon les énergies dont nous avons parlé, et la puissance du pardon. Vous pouvez imaginer
Ici, maintenant, quelques personnes à qui vous pourriez avoir des choses à pardonner, sans pour autant revivre toutes les raisons, mais juste visualiser tranquillement. Et volontairement, pardonnez aux personnes qui vous ont blessé volontairement ou involontairement. Récemment, ou même il y a longtemps. Volontairement pardonner pour vous libérer de ce fardeau que vous pourriez porter et que peut-être même la personne à laquelle vous pensez n'en a peut-être même pas conscience. Il arrive parfois que les personnes nous blessent involontairement et que nous vivions cette blessure longtemps. Alors aujourd'hui, prenez le temps de pardonner pour vous libérer. De ce qui a pu vous faire souffrir. Et laissez les belles énergies de la lune renforcer la confiance que vous auriez en vous, votre personnalité. L'expression de vos besoins. Mais en toute humilité, sans égo démesuré, juste dans l'expression et la communication. Prenez le temps de porter un regard bienveillant sur vous-même. Peut-être même que c'est à vous que vous aurez envie de demander pardon. Laissez aller les émotions pour lâcher ce dont vous n'avez plus besoin. Avec ces belles énergies de la lune, ce bonheur qui est déjà présent, mais peut-être un peu caché à l'intérieur. Il n'attend que d'être révélé. Autorisez-vous à parler vraiment. Énoncez votre propre vérité, simplement et en toute bienveillance. Prenez le temps de faire des pauses comme aujourd'hui. Et même, ne serait-ce que quelques minutes. Dès que possible, pour mieux lâcher.
pour mieux être présent, en conscience, ici et maintenant, à toutes ces énergies qui nous entourent. Nous faisons partie d'un tout. Alors prenons le temps de nous y relier. Et bientôt, en gardant toutes ces informations bien présentes, nous allons garder tous les bienfaits de la séance. Les laisser dévorer plusieurs heures, voire plusieurs jours, et bien sûr nous préparer à cette pleine lune. Nous allons réimaginer la pièce dans laquelle nous nous trouvons. Revoir la position de méditation que nous avions choisie. Ressentir les appuis du corps sur le support. Et bientôt reprendre du tonus en bougeant les orteils et les doigts. En libérant ce geste signal que nous avions choisi. Nous pourrons nous étirer ou bâiller, nous frictionner. Et quand nous l'aurons choisi, nous pourrons rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant.